Bonjour, nous sommes le mercredi 30 septembre. Bienvenue dans ce ZCL au menu et bien de l'information comme tous les jours. Et puis deux invités. Nous recevrons dans un premier temps Luc Duquesnel, c'est le président de l'UNOF, le principal syndicat de médecins généralistes au niveau national. Et puis nous recevrons ensuite dans un deuxième temps Monsieur Francis Pétel. Il est professeur et directeur des programmes scientifiques de l'ESCP. Europe, voilà. Donc, et en troisième partie, nous recevons bien sûr Martine pour sa chronique culture, comme chaque mercredi. Et avant tout ça, je vais dérouler les titres tout de suite. Comment aménager la loi santé dans nos territoires antillo-guyanais? Le docteur Luc Duquesnel, président de l'UNOF, premier syndicat national des médecins généralistes, a rencontré ces jours-ci les généralistes de Guadeloupe. Nous l'avons suivi ce matin. Et puis une journée pour mieux se connaître, ça se passe ce mercredi au lycée Saint-Joseph de Cluny, de la Jaille à Bémao. Ce sont les élèves de première gestion administration qui ont concocté le programme plutôt sportif, vous pourrez le voir. Et puis le 6 février 2016, retenez bien cette date, le multiple champion de kickboxing Grégory Tony organisera à cette date un gala de boxe en Guadeloupe. Pour le reste, il nous racontera tout cela dans une interview, il faut le dire, assez musclée avec notre reporter Pascal Abattant. Je vous le disais dans les titres, il est venu prendre un petit peu le pouls et évoquer avec les médecins généralistes de Guadeloupe l'aménagement de la loi santé. Nous avons suivi ce matin le docteur Luc Duquesnel, il est président de l'UNOF CSMF. Le but de la visite, eh bien, échanger avec les professionnels, partager leurs difficultés et faire remonter les informations ainsi récoltées au niveau national. On voit les images de cette rencontre ce matin à la maison de santé pluridisciplinaire des Pitaya avant de revenir avec notre invité sur ce sujet. On regarde ce reportage. Unifié des médecins de la Guadeloupe est le premier syndicat médical qui a été créé depuis les années 70-80. C'est un syndicat qui représente les trois quarts, voire 80% des médecins de la Guadeloupe. Il représente toutes les spécialités, donc tout le monde s'y retrouve. Ce médecin est venu participer à nos travaux parce que vous savez qu'actuellement est en discussion une nouvelle loi de santé qui va complètement changer les donnes concernant la santé. Tout ça, ça se fait dans un climat qui est particulièrement défavorable pour la médecine libérale. On a un projet de loi de santé qui va énormément aggraver les tâches administratives des médecins libéraux, entre autres des médecins généralistes. Là, c'est bien, on a des médecins généralistes qui ont une secrétaire, un secrétariat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, tout métropole compris, 60% des médecins généralistes n'ont pas de secrétariat. Aussi, un projet de loi, c'est le tiers payant généralisé, qui va faire que les patients vont perdre la liberté de choix, aussi bien de leur médecin traitant, du spécialiste, mais aussi c'est l'émantèlement du métier de médecin. Au-delà de ça, c'est aussi ces professionnels qui lancent de tels projets. Aujourd'hui, il faut savoir que la consultation du médecin généraliste, mais aussi du pédiatre, je veux dire, sont à des niveaux de rémunération les plus bas des pays occidentaux, qui font qu'après, quand on a de telles entreprises comme celle-là, des frais de fonctionnement, des locaux qui ne sont pas toujours occupés, qui sont payés par les professionnels qui sont là, la secrétaire, c'est-à-dire que ce sont des entreprises et qu'éventuellement, avec une consultation à 25 euros. Aujourd'hui, c'est quoi 25 euros pour des consultations longues de 30 à 45 minutes pour les patients atteints de pathologies chroniques et tout? C'est vrai que c'est pas évident. Je dirais que quelquefois, on se dit qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans de tels projets. Je pense qu'il faut aimer son métier. C'est une profession, c'est un engagement. Par contre, effectivement, tout comme l'a expliqué longuement le docteur Duquesnel, le contexte actuel avec la nouvelle loi santé fait que tout ce qui est installation libérale, ça devient extrêmement complexe. On est quand même sous les charges, sous les taxes diverses. Nous sommes soumis de plus en plus à des normes, tout ce qui est accessibilité des cabinets libéraux. Donc effectivement, dans la structure actuelle, nous avons la chance d'avoir une structure neuve, donc faite aux normes. Mais je pense à beaucoup de confrères qui sont des cabinets un peu plus anciens, qui vont devoir s'engager financièrement dans des réparations et des mises aux normes qui
sont nécessaires pour justement s'aligner sur les exigences actuelles. Au niveau de notre exercice, on a de plus en plus d'exigences venant et des patients et justement de tout ce qui est ministère et administration, qu'on a beaucoup de mal à remplir, tout en essayant de répondre à la demande des patients sur le plan médical pur. Voilà, de retour sur le plateau et on accueille donc Monsieur Luc Duquesnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a dit beaucoup de choses déjà dans ce reportage. Au final, vous dressez un tableau assez sombre de l'avenir des médecins généralistes. Bah, assez sombre, non, puisqu'on voit ces jeunes médecins, trois jeunes dans cette maison de santé pluridisciplinaire, la première en Guadeloupe. Trois jeunes médecins généralistes, une jeune pédiatre, mais aussi des infirmières, une podologue, on a aussi une psychologue. Donc on voit des professionnels de santé libéraux qui vont de l'avant. Alors il est vrai, tout ça dans un cadre qui n'est pas favorable, qui ne l'est pas de fait, entre autres la loi de santé qui est nationale, mais qui l'est aussi par rapport, il y a des problématiques qui sont spécifiques au DOM-TOM. Bon, les problématiques, elles ont été expliquées dans le reportage par rapport à la loi de santé. Je veux dire, on va aller vers le tiers payant généralisé. Bien sûr, on est favorable au tiers payant social. Je veux dire, la CMU, il ne s'agit pas de remettre en cause cet accès aux soins, mais un tiers payant généralisé qui va donner des charges administratives énormes aux médecins généralistes, aux médecins libéraux, qui fait que le temps de la consultation, ce qu'on appelle le temps médical, l'interrogatoire, l'examen du patient, lui expliquer nos prescriptions, eh bien on va avoir de moins en moins de temps médical parce qu'on va avoir de plus en plus de tâches administratives. Et aussi savoir que le tiers payant généralisé, c'est la perte pour le patient de la possibilité de choisir son médecin traitant ou son médecin spécialiste, parce qu'on sera pieds et mains liés vis-à-vis des complémentaires santé qui donneront des listes aux patients, et si le médecin traitant n'y est pas dedans, bien, il faudra en changer. Alors justement, ces activités administratives et chronophages, on entend bien ces inquiétudes. Comment ça va être gérable justement pour les médecins qui travaillent seuls, et quelles solutions vous envisagez, peut-être ensemble, vous en discutez, enfin, j'imagine que ça a été l'occasion aussi de ces rencontres. Tout à fait, ça veut dire qu'il y a une demande qui est criante de la part de la profession, c'est leur donner les moyens de pouvoir embaucher, je veux dire, des secrétaires. Alors, en plus de ça, dans une période de chômage, ça sera très bien. Alors, après ça, ça veut dire que, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des aides à l'informatisation des cabinets, eh bien, il faudra des aides pour pouvoir embaucher des secrétaires. Je viens rappeler que même les cabinets, c'est des études nationales qui l'ont montré, qui ont des médecins généralistes, qui ont des secrétaires médicales depuis 10 ans, le temps horaire de secrétariat médical ne cesse de diminuer parce que c'est le principal poste de charge, et avec une consultation à 23 € en métropole, 25 € dans les DOM-TOM, c'est pas possible. Mais il y a aussi les problèmes spécifiques des DOM-TOM et pas seulement des médecins généralistes. Quand j'étais à la Martinique, j'ai visité un cabinet de radiologie, c'est que tout est plus cher ici. C'est-à-dire que quand on fait venir du matériel, il y a le coût de l'acheminement, il y a le coût de l'octroi, mais il y a aussi la problématique de la maintenance. J'ai vu un cabinet de radiologie où quand le scanner est en panne pendant 3 semaines, c'est 3 semaines de rendez-vous, les patients n'ont pas accès. Une neurologue qui fait des électromyographies. Les professionnels de santé, j'ai vu aussi chez les généralistes, doublent leur matériel. C'est-à-dire que vous achetez un matériel 10 000 € en métropole, et bien dans les DOM-TOM, on va en acheter 2, comme ça quand ils tombent en panne, je veux dire, on peut continuer à offrir ces soins à la population. Et tout ça, c'est pas pris en compte dans le coût de la pratique. L'exemple typique, c'est cette neurologue, elle disait, pour faire des électromyogrammes, quand je suis en France, je ramène une boîte ou deux boîtes d'aiguilles pour faire cet examen-là, c'est 85 € hors taxe la boîte. Dans les DOM-TOM, elle est à 173 € hors taxe. Et ça, c'est pas pris en compte dans la tarification de l'acte. Il est vrai. Et puis, alors, des problèmes que j'ai découverts dans les DOM-TOM, le problème de l'URSSAF, c'est quand même extraordinaire. Cette administration qui envoie les appels à cotisation aux médecins libéraux, qui arrivent après la date où on doit le payer. Donc, en plus, quand ils le reçoivent, une semaine après, il y a les pénalités à payer, même pour ceux qui sont en prélèvement automatique. Mais c'est quoi cette administration complètement désorganisée et méprisante vis-à-vis des médecins libéraux? Parce que ça, c'est de la bureaucratie, c'est de la paperasserie en plus. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire un courrier à l'URSSAF pour demander la grâce de ne pas payer les pénalités. Vous voyez, c'est le harcèlement des caisses. Il y a un président de conseil d'administration de la caisse qui a dit que les médecins généralistes faisaient des arrêts de maladie très, très fantaisistes. Mais c'est un scandale. Je veux dire, c'est un scandale. J'ai vu un cabinet, un médecin généraliste qui est poursuivi justement par la caisse, qui a une patientèle agricole avec des maladies professionnelles. Je veux dire, des patients qui sont arrêtés depuis 6 mois, 9 mois, 1 an parce qu'on attend les examens complémentaires, les rendez-vous. Mais déjà, pourquoi les médecins conseils ne les contrôlent pas? C'est leur travail. Et on sanctionne ces médecins généralistes parce qu'ils font des arrêts de travail à leurs patients. C'est proprement scandaleux. Et ça,
ça pourrit la vie des médecins libéraux. Et dans ce cas-là, c'est ce que disait aussi cette jeune pédiatre, c'est que ça ne va pas inciter les jeunes à s'installer en libéral. Alors justement, on entend bien toutes ces difficultés. Comment vous allez faire remonter tout ça? Après, quels interlocuteurs? Comment ça se passe? Alors, vous repartez en France avec toutes ces informations? Comment elles vont être traitées? Comment elles vont être présentées? Alors, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. D'abord, il y a le département aussi, la région. C'est-à-dire que quand on a des médecins qui sont harcelés par les caisses, par exemple, pour les indemnités journalières, c'est aux médecins qui, solidairement, je veux dire, de se défendre entre eux. C'est-à-dire, ce président de conseil d'administration, il faut qu'il sorte de son bureau, il ne sait pas ce qu'est la vie des médecins généralistes sur le terrain. Et c'est aux médecins libéraux de le dire, c'est au syndicat départemental de le dire. Après, pour ce qui est, par exemple, de tous les problèmes administratifs, la nécessité d'un secrétariat physique dans les cabinets, ça, c'est de l'ordre, c'est au niveau national. Il y a une convention médicale qui sera négociée en 2016, et ça devra dedans. Et aussi pour les DOM-TOM, donc c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, la nécessité de prendre en compte le surcoût de la pratique quand on exerce dans les DOM-TOM. Et ça, c'est au niveau national. C'est aussi pour ça cette visite, mais c'était la même chose, des spécificités quand j'étais en Corse, quand j'étais dans d'autres régions de France, et où il y a aussi des spécificités dans l'exercice. Peut-être un mot en fait de justement le projet de loi santé qui est toujours en discussion, hein, c'est bien ça, dans les mois à venir. Sénat, oui. Quelles sont un petit peu les étapes suivez plus avec plus d'acuité peut-être? Donc là, il a été voté par l'Assemblée nationale au mois de juillet. Il est depuis la semaine dernière en discussion au Sénat, qui doit voter un texte qui va être complètement modifié le 6 octobre. Mais comme ça ne plaît pas au gouvernement, on sait qu'au bout du compte, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Donc ce texte, il sortira comme celui du mois de juillet, avec son tiers payant généralisé qui est purement une mesure idéologique, qui ne va pas favoriser l'accès aux soins, qui va pénaliser aussi les établissements de soins privés, il faut le savoir, par rapport à l'hôpital public, et qui démantèle le métier. Est-ce qu'aller se faire vacciner chez le pharmacien, c'est ce que veulent les Guadeloupéens, aller se faire vacciner chez le pharmacien, ce serait peut-être plutôt chez l'infirmière. Je veux dire, les infirmières cliniciennes ou les patients atteints de pathologies chroniques, c'est plus leur médecin traitant, leur médecin généraliste qui va les suivre, mais ça va être des infirmières cliniciennes. Donc très clairement, je veux dire, on est vent debout, et donc c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire que dire, même si la loi est votée, on n'appliquera pas le tiers payant généralisé. Ce qu'on demande, c'est le respect. C'est la liberté, liberté aussi de prescription. Aujourd'hui, pour prescrire un hypocholestérolémiant, il faut remplir un document papier de 3 pages, hein, après 10 ans d'études. Et c'est la reconnaissance aussi, au travers de la rémunération de ces médecins libéraux. Merci Luc Duquesnel. Merci de votre visite. Merci. On prend tout de suite une petite page de publicité avant de retrouver l'information et notre deuxième invité. À tout de suite. Voilà, 12h45 dans le ZCL. L'information continue. Sachez que les employés de Pôle emploi de l'agence de Bergevin ont fermé l'accès au public en fin de matinée. Raison invoquée, l'agression de l'un d'eux par un usager ce matin. Plus d'infos dans notre reportage de ce soir dans le journal de 18h30. Une journée pour mieux se connaître, ça se passe ce mercredi au lycée Saint-Joseph de Cluny de la Jaille à Bémao. Ce sont les élèves de première gestion administration qui ont concocté le programme plutôt sportif. Au menu des activités sportives et culturelles, voyons ce sujet. Il est signé Maxime Morel et Nicolas Aglas. Ce n'est pas une action comme ça qu'on a l'habitude de faire. C'est une autre finalité. Nous sommes à la PAJH en train de prouver qu'une personne porteuse de handicap est avant tout un citoyen. C'est ça. Donc, cette catastrophe qui a frappé la Dominique a frappé forcément des personnes porteuses de handicap. C'est une journée d'intégration et, comme son nom l'indique, permettre aux nouveaux de s'intégrer, mais aussi à tous les jeunes de se connaître, de créer des liens, afin surtout d'améliorer le climat scolaire. Et bien sûr, essayer de leur donner l'esprit d'équipe, l'envie de s'engager aussi dans un projet commun. Donc ce sont deux classes, la terminale GA, trois classes en fait, la terminale GA, le bac pro ASSP, et qui ont organisé donc toute cette manifestation, bien sûr accompagnée de l'équipe pédagogique.
Cette journée d'intégration, elle part d'un constat. Le constat que les élèves passent 8 à 9 mois sur l'établissement, ne se connaissent pas à la fin de l'année et bien souvent, quelquefois, tissent des liens qui ne sont pas toujours des liens fraternels. Donc nous avons souhaité, nous, équipe pédagogique, le jour de la pré-rentrée, organiser une manifestation qui puisse permettre à chacun de se connaître, de connaître aussi l'environnement, parce que souvent les élèves du lycée restent cantonnés sur le lycée. Or, le lycée Saint-Joseph de Cluny, c'est aussi un collège et il est bon que les élèves connaissent l'environnement du collège et la pastorale puisque nous sommes dans un établissement catholique. Par ailleurs, c'est une journée qui a une vocation très fortement pédagogique mais aussi ludique. Ludique à travers donc, un jeu que nous avons mis en place pour essayer de faire en sorte que cette connaissance mutuelle puisse être la plus intéressante et la plus amusante possible, mais aussi pédagogique parce qu'ils ont une espèce de rallye en 10 étapes où ils doivent répondre à des questions qui ont un lien avec aussi bien ce qu'ils ont fait dans leur cursus scolaire que ce qu'ils vont découvrir dans les matières qui sont enseignées ici au lycée professionnel. Cette matinée a commencé bien sûr par un rassemblement, on a expliqué un petit peu à tout le monde et les élèves de la terminale étaient des encadrants, donc ils avaient hein, comme responsabilité la gestion d'un relais. Et voilà, donc ben, depuis ce matin, des équipes composées de 10 élèves de groupes différents, de classes différentes, puisque c'est l'intégration, ben, se côtoient ben, pour des activités, une petite compétition, questions, mathématiques, bien-être, santé, sport, langue, etc. Donc c'est une allure, ben, c'est sportif et c'est en même temps éducatif, et c'est pédagogique, on va dire. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de passer un moment et de souder le lien. Aujourd'hui, on est mercredi 30, donc c'est la journée d'intégration. Donc avec les élèves de ma classe, on a préparé cette journée pour, dans le cadre de faire certes, les nouveaux se présenter, faire connaissance, apprendre à se connaître. Mais voilà, moi j'avais le relais 8, ça a été quand même un peu difficile pour moi parce que toutes les équipes sont arrivées en même temps. Mais sinon, j'ai pu quand même me débrouiller, mais ça a été... Voilà, c'est quand même plus sympa que le bizutage qui est, je le rappelle, interdit désormais. On reçoit à présent Francis Pétel, c'est notre deuxième invité. Il est professeur à l'ESCP Europe. Il intervient à la CCI dans le cadre d'un cursus diplômant. Vous allez nous en dire deux mots. Bonjour d'abord. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Effectivement, ESCP Europe est une école de management européenne qui développe depuis 2009 un programme diplômant en Guadeloupe qui est destiné aux chefs d'entreprise ou aux cadres d'entreprise. On a déjà eu 150 cadres d'entreprise et patrons guadeloupéens qui sont passés par cette formation. Alors la formule est très séduisante pour justement les cadres qui ont une entreprise ou parce que c'est, vous me disiez, 3 jours d'enseignement. C'est 3 jours tous les mois et puis surtout c'est une formation extrêmement pratique qui s'appuie sur l'expérience des candidats. Donc on ne peut pas accueillir de débutants. Ce sont des gens qui travaillent, performent très bien depuis 15 ans, 20 ans, et puis compte tenu des changements actuels, qui ont besoin quelque part, j'ai envie de revenir sur les bancs de l'école de façon à améliorer leur management. Alors justement, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont des doutes sur leur capacité à donner le cap à l'entreprise, parce que c'est ça leur rôle aussi. Vous savez, dans une entreprise, on a toujours tendance à dire « on fait comme on a toujours fait, si on ne sait pas trop, on fait comme les concurrents ». Sinon, on fait comme disent les consultants et finalement, tout le monde fait pareil. Et le mimétisme, ce n'est pas forcément une bonne idée, c'est ça ? Exactement. Il faut se différencier si on veut réussir dans une entreprise. Et donc, ils ont bien conscience du fait de cette nécessité de se différencier. Et alors, aujourd'hui, tout y pousse. Internet, qui change complètement à la fois l'organisation de l'entreprise, quelle que soit sa taille, même les toutes petites, mais aussi le rapport au marché. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de frontières. La Guadeloupe n'est plus une île. Sur le management, aujourd'hui, le patron de droit divin, c'est fini. Aujourd'hui, le management est collectif. Les on idées viennent des jeunes. On parle de collaboration plutôt que de hiérarchisation. Hein, souvent. Mais vous savez, le patron de Google, il explique qu'il faut récompenser les salariés qui font des erreurs. Bon, alors, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais il montre quelque part que les initiatives qui viennent des collaborateurs sont des éléments importants de la réussite des entreprises aujourd'hui. Il n'a pas tort. Et puis, il y a l'international. Aujourd'hui, il n'y a plus que les grandes entreprises qui exportent. Toutes les entreprises sont susceptibles assez facilement, sans que ça coûte beaucoup, de s'implanter. Et pour une entreprise guadeloupéenne, c'est évidemment une opportunité. Alors, comment vous les sentez, justement, nos managers guadeloupéens, quand vous les rencontrez ? En devenir, hein, puisqu'ils suivent un cursus diplômant
Bah écoutez, moi je vais peut-être vous étonner, vous provoquer. Je trouve que c'est des managers comme les autres. Ce sont des patrons comme les autres, parfaitement avertis de ce qui se passe actuellement dans le monde, sachant très bien ce que c'est que de mener une entreprise. Ils ont besoin des mêmes outils. Et on a toujours tendance à parler des différences régionales, des spécificités guadeloupéennes. Ça avait été évoqué tout à l'heure par le médecin que vous avez reçu. Et je crois qu'il a raison. Des spécificités, il y en a partout. Et au lieu de se centrer sur ce qu'ils font, nos propres spécificités là où on est, il faut essayer de regarder à l'extérieur. Alors, on va parler de cette conférence de demain soir au WTC. Alors l'intitulé, quelle stratégie développer pour assurer demain le succès de nos entreprises? Vous nous faites rêver avec ce titre. Vous avez la clé du succès alors? Non, moi je n'ai pas la clé du succès. Par contre, ce que j'espère, c'est que les gens qui viendront la trouveront pour eux. Chacun a sa propre clé du succès. Il n'y a pas de clé du succès universelle. Non, globalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est il y a une perte de confiance dans les produits, dans les entreprises. Aujourd'hui, si vous vendez un produit, vous dites, il ne tombera jamais en panne. Vous me croyez? Plus ou moins. Plus ou moins, vous avez raison. Parce que par ailleurs, je vais vous proposer une extension de garantie que vous allez payer pour le cas où il tomberait en panne. Alors là, je ne suis pas sûre de la prendre, effectivement. Donc vous voyez, aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Le problème de la qualité, on se reposait sur la satisfaction du client. Le client satisfait, c'est le premier à aller partir chez le concurrent. On parle de fidélisation des clients. Aujourd'hui, le problème, c'est plus de fidéliser les clients. Le problème, c'est d'instaurer avec eux une relation de confiance. Et pour que les clients aient confiance, il faut qu'ils aient une image de l'entreprise qui soit une image positive, homogène, où l'entreprise est transparente, où l'entreprise montre quelles sont ses qualités, ses défauts et la valeur qu'elle peut procurer pour le client. Et ça, c'est pas très, très difficile à faire. Mais il faut savoir le faire, il faut savoir le mettre en place dans l'ensemble de l'organisation. Alors, il faut que le chef d'entreprise pense à l'image de son entreprise, qu'il soigne bien ses clients, on le comprend très bien. Est-ce que dans tout ça, il a le temps de manager de façon correcte son équipe? Alors le management aujourd'hui est aussi un élément important parce que d'abord il y a le management de la fameuse génération Y. Les jeunes ne fonctionnent plus à l'autorité comme on pouvait fonctionner à la génération précédente. Donc ça c'est très important. Il y a deuxièmement le fait que aujourd'hui ce qui est important c'est la motivation. Vous savez, motiver une équipe c'est simple. C'est leur dire ça va être difficile, vous pouvez avoir des doutes, mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous allez réussir. Il suffit que la confiance en soi soit légèrement supérieure au doute en soi et on est motivé à mort. Bah en tout cas, vous nous avez donné vraiment envie d'aller vous écouter demain. Donc on rappelle cette conférence. Quelle stratégie développer pour assurer demain le succès de nos entreprises? C'est au WTC à 18h. C'est bien ça? Absolument. Et je vous remercie encore. Merci à vous. On prend une page de publicité et on revient avec l'information et notre chronique culturelle de Martine qui nous promet de belles surprises comme d'habitude. À tout de suite. Voilà, 13h, et on est de retour dans le ZCL. L'information continue. Demain, 1er octobre, s'ouvre officiellement la pêche au lambi. Elle court jusqu'au 31 janvier. La préfecture tient à rappeler que cette pêche est réservée aux pêcheurs professionnels déclarés. Elle ne peut pas s'effectuer au-delà de 25 mètres de fond et l'utilisation de tout équipement respiratoire n'est pas autorisée. Voilà pour la pêche au lambi qui s'ouvre demain. On voit pousser ces derniers temps des enseignes de fast-food en Guadeloupe avec dernière en date le restaurant Quick du Gosier. À l'heure du déjeuner, nous sommes allés vous demander si toutes ces enseignes avaient vos faveurs. Alors, êtes-vous plutôt burger ou agoulou? C'est le micro-trottoir du jour. Une colle, moi j'aime bien les deux. En fait, ça dépend de ce qu'on propose et ce que je veux. Non, mais plus roulotte, parce qu'en ce moment, fast-food, c'est toujours la même chose, frites, hamburgers, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, quoique les roulottes aussi, mais je préfère plus la roulotte que le fast-food. Ben, je préfère la roulotte, évidemment. Ben, depuis tout petit, j'ai toujours été élevé dans tout ce qui est bouquet, tagoulou. Donc, le fast-food, c'est venu après, donc automatiquement, je préfère la roulotte, quoi, tu vois. Je préfère faire je ne bug pas beaucoup au restaurant. Je fais mes bébés moi-même et j'ai une femme qui est cordon bleu. C'est elle qui fait les repas et tout.
Alors ni fast-food, ni roulotte. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Je préfère aller dans un restaurant, mais pas les fast-food, pas les roulottes. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Bon, disons, oui, il y a le côté sanitaire des fois qui pose des questions. Et le fait aussi que bon, maintenant, ça n'encourage pas, et, disons, les gens à cuisiner. Et vous n'avez, la conséquence, c'est que vous n'avez qu'à regarder, disons, les gens, nos jeunes, comment ils sont tous gros à cause, disons, ce genre d'alimentation. Ni l'un ni l'autre. Parce que j'aime pas, je viens cuisiner chez moi. Je fais ma cuisine. Face aux roulottes, j'aurais même finalement que les deux se valent en fait, entre fast food et roulotte. Hein. Moi, bon, je fais pas de complexe par rapport aux deux. Pour moi, les deux se valent, effectivement. C'est juste une question de disponibilité, de rapidité, simplement. Voilà. Enfin, fast food, pourquoi pas, parce que ça va vite. Roulotte, pareil. Hein. On est vraiment dans la même tendance, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, je préfère roulotte, parce que c'est traditionnel. C'est le repas, c'est d'ici. Et par rapport au fast-food, que c'est du truc étranger, qu'on ne connaît même pas l'origine ou d'où ça vient. Quoi. Voilà, et bon appétit. Si vous êtes à table après le passage de la tempête Erika, les Guadeloupéens en situation de handicap sont mobilisés pour la Dominique. Une action qui s'opère à travers l'association APAGE de Guadeloupe. Ils ont organisé une grande collecte à l'attention de deux associations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées de l'île voisine. Les colis ont été récoltés et préparés ce matin à l'APAGE. Jeff Taylor s'est rendu pour nous sur place. On regarde ce reportage. Ce n'est pas une action comme ça qu'on a l'habitude de faire. C'est une autre finalité. Nous sommes à la PAJH en train de prouver qu'une personne porteuse de handicap est avant tout un citoyen. C'est ça. Donc, cette catastrophe qui a frappé la Dominique a frappé forcément des personnes porteuses de handicap. On ne parle pas d'elle du tout. Comme nous avons été en contact avec une association bien avant la catastrophe, hein, lors d'un séminaire que nous avions organisé à Gosier, j'ai pensé qu'il fallait saisir l'occasion pour montrer à nos personnes accueillies, à nos usagers, qu'ils étaient aussi concernés par le phénomène et qu'il ne suffisait pas de dire hélas, qu'il fallait dépasser cette hélas pour tendre la main, faire quelque chose. On n'a pas fait d'appel aux gens. C'est au sein même de nos établissements que nous avons fait passer un mot, même pas faire passer un mot. Nous avons parlé, discuté du phénomène avec les différents usagers, les différentes personnes accueillies, et nous avons suscité chez eux le désir de porter de marquer leur solidarité en faisant quelque chose, en faisant un acte. Et c'est ce qui nous a amené là, bien sûr. Le personnel s'y est associé, les membres du conseil d'administration également, et certaines personnes d'autres ayant entendu parler de ça et ayant eu, je suppose, affaire au monde du handicap, ont décidé de se joindre à nous. C'est toujours encore, c'est original de notre part. Nous avons pris contact avec les deux associations. Nous leur avons demandé quels étaient leurs besoins les plus pressants. Et c'est sur cette liste que nous avons travaillé. Nous avons rassemblé ce qui leur était absolument nécessaire immédiatement. Et pour l'acheminement, il y a un de nos salariés qui a contact avec la Dominique, qui a des relations avec la Dominique. Et il était venu me rencontrer, il faut dire, pour me dire est-ce que je l'autorisais, pour me demander est-ce que je l'autorisais à faire une action en direction de la Dominique. Mais ce sont ces deux idées qui se sont conjuguées pour donner la manifestation d'aujourd'hui. Il est donc chargé d'expédier les colis, mais pas seulement les expédier, il est chargé également d'aller les réceptionner à la Dominique pour faire lui-même la distribution. Donc, il accompagne nos colis. Le duo de choc revient sur scène. Pascal Moesta et Christian Geoffroy font leur grand retour sur scène au Palais des Sports du Gosier. Ce sera le 31 octobre. Désaudier, c'est le nom du spectacle. Et la présentation de presse était hier à la Casa, à Bemao. On écoute ces deux trublions nous détailler leur show où l'on rit beaucoup. On regarde ces images. Alors,
Le duo, voilà. Christian Geoffroy, Pascal Moresta. On était bien catalogués Parole Pourrie, mais c'est les deux fers de Parole Pourrie, les deux fers de lance de Parole Pourrie qui se retrouvent maintenant. Désordiers. Exactement. Sur une grande scène. Attends, mais pour mettre dans un pouvoir personnage, il faut mettre un tétao qui est à l'air là, ou sale, ou laid, il faut bien en prendre un néo parce que c'est soi. C'est un show comique, en quatre actes. Donc c'est quatre sketchs qu'on va présenter au public, mais avec une thématique différente. On va développer des thèmes complètement différents et des faits de société. Terminé, quel monde qui est en service à ça? On passe à Timothée Mouvre. Fabien, allez. Attends, il faut bien le marier. Il n'y a pas là, il n'y a pas là. Pour là, il y a là. Mais il y a tout. Si c'est à l'ombre, j'ai là, l'autre, j'ai là. Bon, mais sur ce sketch-là, comme c'est moi qui l'ai écrit, oui. D'ailleurs, oui, c'est vrai, j'ai participé à beaucoup de mariages, j'ai été invité à beaucoup de mariages. Et c'est vrai que, bon, tout ne s'est pas passé, dans tout ce qu'on raconte, tout ne s'est pas passé dans les mariages. Mais c'est vrai qu'auparavant, tout ce qu'on a pu raconter ce soir, les gens vont se retrouver, les enveloppes, les cadeaux qui ne sont plus d'actualité, tout ça. Avant, c'était des verres. Donc, le comédien s'imprègne de tout ça pour pouvoir réaliser et, comment dirais-je, rire du malheur des autres pour pouvoir... comment dirais-je, être crédible dans le sketch. En fait, c'est ça. C'est du vécu. Tout à fait. Et aussi histoires aussi inventées ou des histoires aussi entendues. Et ça, maman, c'est ma gueule, c'est ma gueule, c'est la maman. Ils sont en casa à pied, mais finalement, il est là. Maman, c'est que ça l'a climatisé. Il y a pas mal de similitudes avec ce que les gens nous racontent des fois dans des mariages, des vécus et tout ça. Donc celui-là a eu un problème d'enveloppe, celui-là un problème où on leur a passé vie à manger, où les parents du marié, la mariée ne s'entendent pas. Donc chacun a vécu une partie du sketch quelque part et on se retrouve assez facilement là-dedans. Quoi. Non. La mariée, c'est Marie-France la sorbetière. Le 31 octobre au Palais des Sports du Gosier. Ah oui, c'est voilà. 2 heures de spectacle et surtout la grosse surprise, finale du show, de ce show. Voilà. Il y a toujours avec nous, il y a toujours une surprise. Voilà. Il y a toujours un truc de pas normal. Absolument. Voilà, ils sont survitaminés et en plus ils ont la classe, Martine, ces messieurs. Jolie cravate, jolie chemise, la veste qui va bien. Ils sont beaux, hein? Ouais, ils sont à pas croquer. Mal. On peut le dire. Bonjour Céline. Bonjour Martine. Bonjour Céline. C'est donc l'heure de notre chronique culturelle du mercredi. Voilà. Et c'est marrant, je me sens bien sur cette place. Hein, c'est la place de Danique, mais bon, aujourd'hui c'est Danique avec Q-U-E, donc femme féminine, voilà, qui c'est t'accompagne. Ça. Danique, on le rappelle, est à Paris pour Top Reza et donc nous revient lundi. On l'embrasse s'il nous regarde. Oui, coucou Danique. Alors, quoi de bon au menu aujourd'hui, Martine? Alors, toujours des bonnes choses. Rien à manger, mais allez, il ne faut pas changer. La culture est une nourriture, Martine. La culture est une nourriture. Et d'ailleurs, je vais commencer après avoir dit bonjour à nos téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, dans ma rubrique, j'ai un peu modifié le titre de ma rubrique. Ça va s'appeler dorénavant Zap culturelle, la première, parce que c'est celle dans laquelle je voyage, c'est celle où je parle de bons plats, c'est celle où... Voilà. Donc, la culture dans tous ses états. Et là, nous allons attaquer le troisième volet de mon petit périple voyage. On va partir à Nantes cette fois-ci. Et puis ensuite, je vais avoir un tout petit coup de gueule. Alors, ça s'appelle cette rubrique-là, c'est mon avis. Et mon avis aujourd'hui porte sur les chiens. Alors, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On aura bien sûr un agenda et on va parler de mode. Alors là, ça va un peu décoiffer au niveau de la mode parce que je crois qu'en Guadeloupe, on n'est peut-être pas tout à fait prêt à ça. Mais à Montréal, oui. Une mode extrêmement allégée. Alors, commençons tout de suite donc avec ma citation du jour qui va me permettre de lancer le sujet. Qui va bien avec un petit peu après. On reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la manière dont celle-ci traite ses animaux.
Le ton est donné. C'est un point de vue, effectivement. Le ton est donné. Et c'est de Indira Gandhi. Donc, vous voyez, tu vois que c'est quelqu'un de grand et c'est tout à fait en lien avec mon sujet du jour. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de voyage. Alors, je vous ai emmené à Berlin. On part pour Nantes. Et cette fois-ci, je vous emmène à Nantes. Faites le voyage. C'était le titre d'une grande séance culturelle à Nantes tout cet été, donc du 3 juillet au 30 août. Je m'y suis promenée et ce fut un régal. Un régal parce que, aussi bien dans le ton que dans l'expérience, que dans les lieux à visiter, c'était vraiment magnifique. Alors, faites le voyage à Nantes, donc c'est une grande animation culturelle. Alors, c'est un festival au long cours. C'est un festival. Hein, au long cours, c'est un parcours à la fois sensible, poétique et culturel qui était sur toute la ville en 34 points, donc 34 sites à visiter. Donc là, on commence avec le site, le lieu unique. Le lieu unique, c'est en fait un ancien bâtiment qui appartenait à LU, donc le Lefèvre Utile, donc une marque de gâteau que nous connaissons bien, et qui a donc cédé cette bâtisse magnifique à la ville, qui en a fait un espace culturel et qui l'a baptisé avec les initiales LU, lieu unique, et il s'y passe des choses extraordinaires. Alors là, on est au cœur de Nantes, hein, c'est dans le centre-ville. On est vraiment au cœur de Nantes, donc là, sur le, pas loin de l'estuaire, sur l'île de Nantes. Et donc, une grande balade vous emmène en différents points. Et là, le lieu unique dont je viens de parler, qui est la scène nationale de Nantes, donc on l'a visité, il y avait une exposition très très belle, nous a ensuite conduit, donc je ne vous emmène pas sur les 34 points, mais sur les lieux qui m'ont un peu marqué dans cette visite. Ça, c'était le point numéro 1, le lieu unique. Celui-ci, c'est le point numéro 17, ce sont les anneaux les anneaux de Buren, et ça se trouve sur le quai des Antilles. C'est comme là, les colonnes parisiennes. Comme les colonnes là, de Buren. C'est et là, ce sont des anneaux qui sont illuminés le soir. C'est magnifique. C'est une promenade extraordinaire sur un quai qui est le quai des Antilles. Pourquoi ? Parce que c'est là où, en fait, les navires déchargeaient les bananes. Il y a d'ailleurs un grand hangar qui explique toute cette histoire, donc le lien de Nantes avec les Antilles. Et donc c'est une série de 18 anneaux qui se tournent vers le fleuve et qui offrent au travers de leur découpage donc des visions de Nantes assez intéressantes. Oui, et ça et fait de jolies perspectives. Et une très très belle promenade, une belle perspective. Ah oui, c'est magnifique. Donc c'est ensuite, j'ai continué sur une zone qu'on appelle le chantier, le parc des chantiers. Et le parc des chantiers, c'est un lieu là aussi unique où il y a donc des grands hangars avec des tas de machines. Et celle-ci est exceptionnelle, c'est donc l'éléphant. Alors c'est entre le mythe, c'est entre... comment ça s'appelle, Laurence d'Arabie, c'est quelque chose, c'est de la machinerie, on peut y monter, donc s'y promener. Malheureusement, je n'ai pas pu y monter parce que c'était en maintenance à ce moment-là, quand j'ai fait ma visite. Mais voilà, cet éléphant, donc on monte dedans et il a la vilaine habitude de cracher de l'eau fraîche avec sa trompe, ce qui rafraîchit donc toutes les personnes qui sont là. C'est un brumisateur géant. C'est un brumisateur géant. Qui est bienvenu, j'imagine. Ouais, c'est vraiment super, c'est très spectaculaire et donc c'est une machinerie incroyable. Voilà, je crois que c'est l'une des machines qui m'a le plus époustouflée. C'est vrai que c'est assez surprenant. Hein, ah, c'est très surprenant. C'est très, très surprenant, mais c'est vraiment super. Et j'ai trouvé au-delà de ça, non seulement l'idée de ce voyage à Nantes qui nous emmène dans des points différents, des lieux de culture différentes, de la machinerie, comme donc ce carrousel, le carrousel des mondes marins qui nous emmène dans le monde de Jules Verne. Donc, des choses abyssales à voir, des poissons, des monstres. C'est aussi un lieu qui est assez incroyable. Bref, ça vous a plu, Martine, j'ai envie de dire. Le carrousel, 25 mètres de haut, 20 mètres de diamètre, donc des choses incroyables, des sculptures autour de thèmes de la mer, donc voilà. Donc Nantes, c'était pour moi une balade vraiment assez époustouflante. Et puis enfin, là, sur le quai, tout au long, donc des tas de bistrots, de cafés, de bars. Et ce qui est particulier, c'est que la cantine, pas trop vite. La cantine, c'est un lieu où on peut manger, mais dans des chaises longues. Donc, on s'allonge sur des chaises de toutes les couleurs. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Et c'est super sympa. Alors, le dernier point de cette visite durant ce voyage à Nantes, qui est émaillé, donc, je vous l'ai dit, donc, par une sorte de ligne, ce qui s'appelle la ligne verte, qui nous emmène en différents points, nous emmène également sur un parcours qui est celui-ci, par contre, un tout petit peu plus, on va dire, intérieur. C'est le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Là aussi, un lieu incroyable où Nantes se rappelle son histoire avec l'esclavage, ce qu'il a fait. Et donc, toute la population ainsi que donc, cette ville a fait son travail de mémoire au travers de ce site où des milliers de personnes passent chaque jour. Ça a été, il faut le rappeler, le premier port négrier, c'était celui de Nantes entre le 15e et le 19e, 15e et 19e siècle. Et donc, vraiment, de très nombreux bateaux y ont accosté. Ils sont partis de là.
Et donc la plaque de verre qu'on voyait tout à l'heure, c'est tout au long de la promenade, entre guillemets, de cette visite, vous avez des plaques de verre au sol qui vous donnent le nom des bateaux. Donc tout à l'heure, c'était l'Hermione. Et également la date à laquelle ils sont partis, s'ils sont partis de Nantes ou arrivés à Nantes et quelle était la destination. Donc il y a à la fois donc, sur ce site un parcours qui est commémoratif, ou qui nous permet donc au travers d'une végétation donc de nous replonger dans cette histoire de l'esclavage, mais pas seulement celle des Antilles, l'esclavage au sens propre et donc de la colonisation. Et puis il y a aussi un parcours méditatif au travers de thématiques, au travers de comment dirais-je, ça part de l'esplanade et là ça nous amène avec des très très beaux textes, de très très belles citations et une galerie photo. Donc c'est vraiment un moment de recueillement qui est extrêmement fort. Vous y avez donc, passé combien de temps, Martine, pour la visite? Moi j'ai passé 2 heures dans cette visite. J'ai pas tout lu, j'ai essentiellement recueilli les citations, j'ai fait toute la grandeur de la promenade, j'ai lu quelques-unes des plaques, des bateaux aussi, mais on peut y passer une journée, comme vous voyez, si on passe un temps devant chacune des citations et toute la période de l'esclavage à travers le monde qui est représenté dans une autre salle qui est précédente, il faut y consacrer du temps, mais on peut faire ça en 2 heures et avoir déjà un temps de recueillement qui est assez profond et intéressant. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire profiter de ça. Donc si vous passez par la France, n'hésitez pas. Et par Nantes, on s'arrête. Et par Nantes, il faut vraiment s'arrêter pour au moins aller sur ce lieu de mémoire qui est celui de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Alors, après? Après, je vais vous parler quelque chose de plus léger quand même. Hein. On n'est pas tout le temps dans le commémoratif, hein, même si ça nous touche profondément. J'ai envie de vous parler, tout à l'heure, on a vu Moesta. Moi, j'ai envie de vous parler de théâtre, hein, Octobre au théâtre, hein, aux Abîmes. C'est en ce moment, en tout cas ça va commencer là, depuis, voilà, vous avez le petit programme, là, Octobre Théâtre. Les Abîmes et le théâtre, c'est une grande histoire. C'est d'une grande histoire, donc ça a bien évolué toutes ces dernières années. Donc là justement, il va y avoir un lieu sur le monde de la mémoire. Il y aura le centre culturel Sonis, la salle Joseph Théodore Faustin, il y aura les bibliothèques, le centre de ressources Ertin, Cap Excellence. Voilà, plusieurs lieux qui vont être des lieux investis par ce théâtre, donc du 16 au 18 octobre prochain. Et là, il y a à voir, il y a à entendre. Les écoles vont également être mises à l'honneur. Alors, il y aura des ateliers qui seront mis en place également pour leur permettre donc de vivre cet instant de vraiment très 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 intensément. Et puis des cycles d'ateliers gratuits, je disais, à destination des associations culturelles, mais également des écoles. Alors Martine, voilà. C'est création contemporaine. Est-ce qu'il y a du théâtre classique aussi? Il y a un peu de théâtre classique. J'aurais pu vous donner. Donc il y a des lectures à haute voix, par exemple dans le réseau des bibliothèques médiathèques. Vous allez avoir par exemple notre grand Roger Thompson qui va venir faire une lecture. Il y aura également Eddie Arnel, que nous connaissons aussi comme étant donc un artiste bien implanté dans notre univers théâtral, qui donne des cours, qui produit également, qui accompagne des artistes, donc qui sera là également. Et puis il y aura une thématique comme celle de la sensibilisation à la dramaturgie, qui nous permettra au travers d'ateliers donc, de découvrir le théâtre, de découvrir le théâtre dramatique, l'art qu'est-ce dramatique. Que c'est, l'art dramatique. Et puis... Donc là, ça sera animé par José Plia, qui vient de quitter Exactement, sa chaire à l'archipel, mais qui est encore un peu avec nous et qui, je crois, ne perdra jamais de vue, de toute façon, ce pays qui est le sien. Donc, sensibilisation aux arts de cirque également sera une des thématiques qui sera présentée avec de la déambulation lors de ce temps théâtral. Bah un beau programme, hein, du théâtre, un peu, hein. C'est vrai que ça fait du bien ce moment. Et puis c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose dans lequel on peut se plonger. Et puis dès qu'on sort, moi je regarde une pièce, j'ai tout de suite envie d'être actrice et comédienne. Mais peut-être que cette année, ça sera l'occasion Peut-être que cette année, oui, parce qu'en scoop, il y a un auteur qui m'a demandé si j'avais envie de jouer dans sa pièce, mais je n'en dis pas plus. La suite sur scène, la suite sur les planches. La suite sur les planches, on va voir si là aussi je suis à mon aise. Bon, revenons quand même à nos moutons. Non, là, on revient aux chiens, en fait. C'est un sujet beaucoup plus sensible. Alors, c'est un petit coup de gueule. Voilà. Nous sommes beaucoup à aimer les animaux, et puis on n'est pas obligé d'en avoir à la maison. Personne ne nous oblige à avoir ni un chien, ni un chat, ni des oiseaux, ni des poissons. Mais c'est bien de réfléchir avant d'en avoir. Mais lorsqu'on en prend un, il faut y réfléchir parce que c'est un être qui compte sur vous pour vous occuper de lui. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme les sacs plastiques dont j'ai parlé la semaine dernière. Le chien, on ne le jette pas n'importe où. Voilà, quand on le prend avec soi, c'est parce que c'est un compagnon, c'est parce qu'il peut nous apporter de la joie, des tas de choses. Il y a une relation très très forte avec les animaux de compagnie et donc il ne faut pas le prendre et l'abandonner.
abandonner n'importe comment. Et il y a quelques règles à respecter que j'avais envie de rappeler là. Tout d'abord, un chien, s'il est attaché, il faut qu'il ait un collier qui soit adapté à son tour de cou. Et puis s'il grandit, le collier doit grandir avec. Son tour de taille. Exactement. Il ne faut pas l'attacher avec les chaînes qui servent pour les bœufs. Il ne faut pas l'attacher trop court. Il faut le détacher de temps en temps pour qu'il puisse se dégourdir les pattes. Parce que c'est pas... nous aussi, on était attachés à la maison. Ça ne serait pas sympa. Donc, il doit être détaché pour promener au moins une fois par jour. Essayez de lui avoir, et c'est même obligatoire, un abri. Si on n'est pas très riche, une petite feuille de tôle sur des briques... où ça peut faire déjà un abri qui le protégera un peu. Et puis, pensez à lui donner de l'eau à boire, tous les jours de l'eau propre, pas de l'eau croupie, parce que là aussi, il peut attraper des maladies. Et ça nous coûte plus cher en soins. Donc, s'il a à manger tous les jours et qu'il ait de l'eau propre, ben, je pense que ça peut aller. Alors, pourquoi j'ai voulu revenir là-dessus ? Parce que je me suis attachée à deux associations qui s'occupent des animaux et qui recueillent malheureusement en Guadeloupe des animaux qui sont dans des états. Je n'ai pas voulu mettre de photos. C'était beaucoup trop cruel. J'ai vu des choses qui m'ont donné envie de vomir. Et je crois qu'il faut que nous, Guadeloupéens, nous soyons respectueux des animaux. Effectivement, je crois que c'est à cette grandeur que nous avons avec la relation qu'on a avec les animaux qu'on va voir la grandeur de notre nation aussi. Ne soyons pas... soyons attentifs à ça, pour nous-mêmes, pour notre respect, mais pour les animaux que nous avons choisi d'avoir. Si nous n'en avons pas, on n'est peut-être pas... Voilà, mais si on en a à la maison, il faut en prendre précaution. Donc, voilà, et pour des raisons de santé publique aussi, et ça, c'est important de le dire, on ne peut pas lâcher les chiens dans la nature. Il y a beaucoup, beaucoup de chiens de chiens errants qui attaquent les troupeaux, qui attaquent les bœufs, qui attaquent les cabris, et les possesseurs de ces animaux ne sont pas contents, ne sont pas heureux. Et je crois que pour des raisons de santé publique, que tout le monde comprendra, on ne doit pas lâcher les animaux dans la nature n'importe comment et les maltraiter. Voilà mon petit coup de gueule, regardez comme il est mignon. Et un message salutaire, Martine. Ouais. Et moi, j'ai une chienne qui s'appelle Trinity, elle ne regarde pas la télé, mais je lui fais un petit coucou à Trinity. Et à mon chat, Flocon. Bon, je pense qu'ils vous ont entendu. Hein. J'en doute pas. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut aussi il faut les emmener chez les vétérinaires si on veut pas qu'ils fassent trop de petits. Voilà. Allez, petit chien, à plus tard. Et je suis certaine que les Guadeloupéens et Guadeloupéennes ont bien compris le message qu'il y avait au travers de ça. Est-ce qu'on a un petit agenda ou... Alors, avant de parler de l'agenda, j'ai envie de parler de mode. Hein, c'est bien aussi la mode. Moi, j'aime la mode. Voilà. Surtout celle-là. Et surtout celle-ci. Eh bien, écoute, je ne sais pas si on est prêt pour celle-ci. Alors, c'est conceptuel. Hein. Alors, c'est très conceptuel. Ça se passe à Montréal. Et épuré, j'ai envie de dire. Très épuré. On s'habille de tatou, en fait. On s'habille de rien. De quelques tatouages. Si on en a, mais on n'est pas obligé. Donc, voilà. Là, l'idée, c'est qu'à Montréal, le réseau de santé sexuelle du Québec a organisé une activité pour faire une action de sensibilisation à la diversité corporelle. C'est pour dire que nous sommes tous beaux. Que celui qui est gros, petit, moyen, grand, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est que tous nous fassions attention à notre sexualité et à la transmission, mais que tous également, nous soyons attentifs et à respecter l'autre. Donc, tous les corps sont beaux. Voilà, il suffit que nous prenions soin de notre corps. Et donc, pour bien faire passer ce message-là, ils ont fait un défilé de mode un petit peu hors du commun. C'est un défilé de mode on n'est pas très, très habillé. On est même très nu, un défilé de mode nu. Ça se passe au Théâtre Saint-James. C'est la deuxième édition, je crois, de ce striped, donc voilà, dénudé. Et c'est une occasion pour permettre aux gens de se dire qu'on doit être, par rapport à ça, extrêmement à l'aise avec notre corps. À première vue, ce concept de défilé de mode sans vêtements peut sembler farfelu, mais il fait des émules parce qu'il paraît que la première fois, les gens qui se dénudent et qui acceptent de défiler avaient un peu de mal, mais ceux qui sont dans la salle, au bout d'une dizaine de personnes qui passent nues, ils n'ont plus ce regard critique où il est gros, il a des petits seins, ou elle a des petits seins ou des grosses fesses. Ils sont plus dans... le concept lui-même. Et ils vivent l'instant de manière tout à fait détachée de cette vision d'un homme ou d'une femme nue qui défile devant eux. Et pour celui qui défile, et bien pour lui aussi, c'est un acte de libéralisation vis-à-vis de lui-même pour se sentir en harmonie avec son corps et avec Je veux bien croire qu'on passe un cap. Hein. Et il faut passer ce cap-là. Et donc voilà, on redéfinit ses modèles, on redéfinit qui on est. Et ceux qui acceptent de défiler nus, souvent devant 200, 300 personnes, militent pour une diversité corporelle, de sorte qu'on ne nous enferme pas dans un diktat de la mode où tout le monde doit être filiforme ou maigre ou de telle manière sans sein. Les femmes ne sont pas comme ça, les hommes non plus. Nous sommes tous différents et chacun doit pouvoir trouver le modèle qui lui convient. Il y a des hommes
qui aiment des femmes pulpeuses, d'autres qui les aiment musclées, d'autres qui les aiment petites, etc. Et je crois que chacun d'entre nous, on doit pouvoir défendre ce modèle-là. Et j'ai adoré ce concept voilà, de cette association. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer cette photo. Vous voyez, il est beau cet homme. Hein. Mais, oui, c'est on apprécie les tatouages hein, de dos. C'est voilà, il a un très beau tatouage qui est juste placé comme il faut. Voilà, socialement, je crois qu'on a besoin de se rappeler de l'estime qu'on a de soi. Et ce type d'événement, je ne sais pas si ça, on est encore capable de le faire en Guadeloupe, mais c'est quelque chose, je trouve, qui est très sain parce qu'il n'est pas fait dans une démarche non plus de voyeurisme et d'exhibitionnisme. Mmh. Vous voyez, c'est très soft, c'est très respectueux. Et c'est pas dans la rue avec un tas de... Non, c'est dans une démarche extrêmement étudiée et cadrée. Et c'est ce que je trouve qui est important aussi. Voilà. Céline, ça te plaît ? Ouais, super. Wow. Je trouve qu'il y a un message derrière. Il y a un beau message derrière et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Eh bien, je vais terminer avec le petit agenda. Il y avait une petite vidéo que j'avais envie de faire passer qui dure 15 secondes. C'est un petit clin d'œil à la Coupe du Monde de rugby, la Coupe mondiale. Non, c'est pas ça. Ben, ma vidéo n'est pas là. On va voir si elle passe tout la à l'heure. La Coupe du Monde qui se joue en Angleterre. Donc. Voilà, créole en mouvement. Ça, c'est le lancement. Créole en mouvement, c'est du 1er au 31 octobre, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc sur le thème sera la Caraïbe, c'est le thème de cette année. Donc voilà, plusieurs villes vont participer à cette édition. Le programme exposition, chant, conférence, danse, je reviendrai dessus, c'était déjà un petit clin d'œil. Nous avons un deuxième agenda qui est celui du Festival international du film de droits de l'homme, qui va avoir lieu là donc à partir du 9 octobre en Guadeloupe. Et qui se tiendra donc le vendredi 9 octobre au Mémorial Act, avec plusieurs lieux qui vont être visités autour de ce festival international. Donc au programme des projections, voilà, des conférences, des échanges. Donc on aura des films qui vont des films qui viennent de Port-au-Prince, on aura des courts-métrages d'animation, nous aurons aussi donc vraiment beaucoup de films. Je pense qu'à la prochaine session, je vous donnerai quelques films, mais d'ores et déjà, vous pouvez vous renseigner auprès du Ciné-Théâtre du Lamantin également, où il y aura donc des projections. Et l'entrée, elle est libre et gratuite, et je vous donne un numéro de téléphone qui est le 05 90 25 36 48. 25 36 48. Salon de l'Habitat, c'est aussi du 14 au 18 octobre, on y reviendra, mais vous connaissez déjà le lieu, WTC à Bémao, donc un grand salon que tout le monde connaît. Et puis, donc dernier, le Salon de l'Enfant qui va lui avoir lieu à partir du 21 octobre. Je reviendrai aussi dessus, 21-25 octobre, Salon de l'Enfant, de l'Adolescent et de la Famille, jeux, animations, expositions. Là aussi, j'y reviendrai. Et je termine juste avec la Mini Transat qui continue également on m'en a parlé il n'y a encore pas longtemps, qui est partie le 19 septembre de Douarnenez, qui va arriver Guadeloupe. Petit à petit à Lanzarote, au Canary, voilà, absolument. Avant de repartir le 31 octobre, je crois. 31 octobre. Donc, on aura l'occasion d'en reparler chaque fois un tout petit peu. La rentrée de Nodelgiz Art, donc c'est maintenant aussi, allez-y, chantez, travaillez votre voix, le théâtre, c'est avec cette association, c'est le dimanche 26 septembre, c'était leur rentrée, et donc toujours le concert, pour rappel, d'anniversaire de la grande chanteuse Carole Venutolo. Et bien voilà, c'est du 2 et 3 octobre, c'est en ce moment, allez-y aussi. Merci Martine. Ah oui, c'était bien complet. Hein, restez avec nous, oui. Restez avec moi Martine, moi aussi j'ai une date, c'est le 6 février 2016. Alors retenez bien ce rendez-vous. Le multiple champion de kickboxing Grégory Tony organisera à cette date un gala de boxe en Guadeloupe au programme des combats avec des concurrents caribéens et français notamment dans différents types de boxe. Pour le reste, c'est Grégory Tony lui-même qui va nous le raconter. Il était l'invité de Pascal Abattan dans son émission Challenge qui était diffusée lundi sur nos antennes. Et attention, vous allez le voir, l'interview est assez musclée, Martine. On regarde. Allez. Un très long travail. Là, on s'y prend 5 mois à l'avance parce que je veux vraiment offrir à la Guadeloupe quelque chose de beau. Je veux pouvoir, on va dire, dans cette soirée-là, il y aura une partie de combat de boxe anglaise. On aura notamment la chance de pouvoir voir Howard Cospolite, qui a gagné des tournois de France, qui est pour moi le prochain champion de France des 72 kilos en boxe anglaise professionnelle. Et puis des jeunes de chez moi, donc Dylan Collin qui est champion du monde junior et puis j'espère qu'il sera champion du monde pro de boxe française savate puisqu'il fait un championnat du monde au mois d'octobre. Un autre jeune, Anis Remani, qui est champion d'Europe de boxe thaï
Et tous ces jeunes-là, je veux pouvoir les faire boxer contre les gens de la Caraïbe, de la Guadeloupe, donc pouvoir offrir à la Guadeloupe un très beau plateau. Et dans cette soirée-là, il y a un ami à moi avec qui je suis très très proche, donc il s'appelle Lorco City, donc un ancien de la chanson qui chantait Ma Benz, The Gladiator, donc qui était le collègue de Joey Starr au moment-là, et qui fera ma musique d'entrée en live. Donc il fera un tout petit mini concert entre ce combat-là, et puis il chantera, comme il fait habituellement, il chantera ma musique d'entrée sur le ring en live. Donc ça sera, on va dire, ma petite surprise à moi, ma petite surprise du chef. Enfin, c'est plus une surprise, puisque maintenant, on le sait. T'es un ténueux, toi, hein? T'as des couilles. J'aime ça. Le mental est important. Le mental est très important. Les arts martiaux en général et les sports de combat en particulier fait que pour gagner, il faut avoir du mental parce qu'on reçoit des coups. Dans la vie professionnelle, on en reçoit aussi, on en donne. Et ça reste une compétition. Une compétition saine. Parce qu'après, les deux protagonistes se serrent la main. Donc il n'y a pas de rancune. On s'est défoulé sur le tapis, dans le ring. Et puis c'est bon, voilà. Voilà, l'histoire ne dit pas qui de notre reporter Pascal Abattant ou Grégory Tony a gagné ce combat sur pelouse. En tout cas, on va prendre des nouvelles de Pascal, savoir s'il n'a pas eu trop mal au dos. Voilà, Martine, vous irez ? Ça donne envie, ce plateau. Ça donne envie. Hein. Et je lui lance une petite annonce. Hein. J'organise des événements, donc je peux l'accompagner pour organiser son gala. Hein. Et bien voilà, fait ça deux fois pour la Ligue Guadeloupéenne de Savate. J'oubliais de dire que je suis habillée toujours par Variance au moule. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est super joli, ça. C'est coloré, en tout cas. C'est coloré, oui. Ouais. Ça vous va bien, Martine. Oh, merci. Waouh. Voilà, c'est la fin de ce ZCL. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour un prochain numéro. Très bel après-midi à vous. À demain.